Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything left for you to see. For you to see. Bonjour à tous, ici Dark Avenger et je suis en compagnie de No Kingman et nous sommes tous les deux sur Ion, qui est un MMORPG. Coucou. Et vous verrez sûrement la pub sur YouTube parce que elle est souvent. Ouais. Et sur OGame aussi elle y est. Ou sur un peu partout. Oui c'est vrai. Une fois ça m'avait fait rire. On avait en cours, on avait dû regarder une vidéo et la prof elle pouvait pas passer la pub et c'était Ion. Ah, ah. Bonheur. Donc certains auront déjà vu sûrement ma vidéo sur le glitch comment sortir d'Ion. Je sais pas, bah, je vous la conseille fortement. Mais je crois que je vais la refaire parce que je suis pas trop satisfait du résultat. Et bah ouais. Et pour, ouais, ceux, si tu veux. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, bah, vous pouvez voir que mon perso a pas mal changé. Ouais, maintenant c'est un émo. Il est classe. Et hop, on remet les commandes qui gâchent tout. Donc, entre temps, bah, je suis passé. On est passé tous les deux niveau 50. L'un des plus gros paliers du jeu. Qui nous a donné une nouvelle zone. Enfin, plusieurs nouvelles zones. Mais les zones principales qu'on squatte assez souvent. Parce que les autres, elles nous apportent plus grand chose. Ouais, et les autres, on n'a pas encore accès. Ou alors, elles sont légèrement chaudes à. Bah, rien qu'à aller jusque là-bas, et puis une fois qu'il y est. Voilà, hein. Gekmaros, merci, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas les MMORPG, même si ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas. Enfin, je n'ai rien contre les gens qui vivent dans des grottes. Donc, bah, le but, c'est de faire des quêtes ou des missions. Généralement, c'est tuer des mobs. Farmer chinois. Ouais. Ça résume un peu tous les jeux comme ça. Ouais, il y en a beaucoup sur ce jeu-ci. Ah oui. On en a croisé un tout à l'heure. Je me suis connecté le matin, il était déjà là et apparemment il y est toujours. Ah c'est marrant, mon nombre d'IPS est passé à droite maintenant. Bon. Mais toujours à gauche. Oui bon. Mais ça change pas. On va aller faire une petite quête dans une zone semi-élite avec des mobs allant jusqu'au level 55. Et joué. Moi je suis 55 et lui il est 53. Yeah. Donc pour l'instant, hein, on sait pas encore si ça va être augmenté, mais le niveau maximal c'est 60. Mais ça va être augmenté dans la 4.0, je pense qu'ils l'ont dit. Moi je veux pas jusqu'au 65, c'est bon, 60 c'est bien, c'est un beau chiffre. Hein. Alors lui c'est un farmer chinois. On le sait vu que ça fait 3 jours qu'il est ici au même endroit. Alors à part s'il cherche quelque chose, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, ouais, je connais son nom en plus. Donc ce jeu est graphiquement beau. Ça dépend de ton ordinateur. Quand on a un beau PC. Et pas quand on a un portable qui ne sait pas supporter 3 jeux. Voilà mon ami qui a gardé son skin de Noël. Ouais. Mère Noël. C'est moi. Et mon nouveau bouclier que j'ai acheté supra cher et qui est. Ouais. C'est l'équivalent de toute ma fortune en 6 mois de jeu. L'équivalent de la moitié de ma fortune en tout le temps que j'ai monté mon perso. Ouais, moi j'en ai plus des persos. Ouais, mais t'as pas de 55. Donc, l'histoire est assez bizarre de ce jeu. Je la raconterai pas en détail.
Mais en En gros, c'est... gros, il y a nous les Élyséens, les gentils, il y a les Asmodiens, nous Non. semblables, mais en noir et en méchant, il y a les Balrogs, les vilains, les méchants, qui personne ne peut jouer. Non, mais je veux dire, les Asmos, quand tu connais un petit peu l'histoire, c'est pas vraiment les méchants, c'est un peu les mecs qui se sont fait arnaquer. Mais ils sont quand même méchants au final. Bon, je sais pas Un ce qui petit lui a... tueur qui a des yeux rouges et qui fout les boules, il peut pas être gentil, hein. Je sais pas ce qui lui arrive à mon nombre d'IPS, mais il vient de passer en bas maintenant. Voilà. Il va faire le tour de ton écran. Donc on peut avoir des Pity familiers et on peut jouer avec. Oh, et progrès sur mon ordinateur, hein, Gauvin. Ah bon? Maintenant, je vois le tube. Oh mon Dieu! Oui, donc on peut planer et ces tubes dans ces zones, bah on va le prendre vu qu'il faut qu'on le prenne pour aller où on veut. Ouais, bah, au pire, tu t'arrêtes là où je m'arrête. Hop, donc on peut planer parce qu'on a des ailes. Hop, ça nous propulse. À partir du level 10 seulement. Ah, chez moi t'es derrière moi. Donc chez moi, t'as pas encore sauté. Non mais t'es vraiment derrière moi. On descend ici? Oui non Ouais, peut-être? Ok. on descend. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Oh le bug! Je suis où? Je ne suis pas sorti! Je suis sorti ou je suis pas sorti? Bah en tout cas je te vois plus. Allez! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me vois encore ou pas? Non. Bah moi je suis sorti. Donc Ok. c'est une zone PVP, enfin qui peut être PVP quand à certains moments. En fait quand les deux forteresses sont à nous, un passage s'ouvre vers cette zone-ci. Les Asmos, eux, bah, c'est pareil. Et ils peuvent faire le tour. Et il y a des grands gardes bien gentils avec des belles barres de PV. Belle Très grands. journée, non? Avec une Et leurs voix. barres de PV aussi, elles sont très grandes. Armes et foi. Avec une belle voix. Mais je teste, je tape du mob parce que c'est quand même bizarre que j'ai pas réussi à sortir du courant, quoi. Ça m'avait pas encore fait ça. D'habitude, quand je frappe des mobs, si je passe à côté, si je les aggro, c'est que j'ai pas bug. Si je les aggro pas, c'est que j'ai bug. Ah c'est marrant ça. Il y a des balors, donc ça ce sont des balors en fait, des espèces d'hommes lézards bizarres avec une queue sur la tête. C'est quoi le grand dragon qui vole en arrière-plan du jeu? Il est où? Je le vois pas. Moi je le vois. Bah moi d'ici je le vois pas. Il va Il est où? passer au-dessus de ta gueule, attends un petit peu. Là c'est marrant, là il y a deux balors qui poursuivent des gardes, mais les gardes ils s'en foutent complètement. Paye les bugs, hein. Enfin, un jeu Ouais. comme ça sans bug, hein. Mais les gardes de cette zone sont vraiment des j'en ai rien à foutre. Tu peux te faire Complètement. attaquer par tout ce que tu veux, tu te mets à côté et non, ils continuent. Ils attaqueront que les Asmodiens. Ouais, et encore, pas sûr. Bah quand même, sinon ils sont vraiment là pour décorer. Donc j'ai... Ah, le dragon, je le vois. Mais je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est là, ce foutu dragon. Là, il y a un Là là. squelette de dragon qui est particulièrement mal fait. Bon, vous voyez à quel point c'est moche. Ça doit être une Encore griffe. un de plus. Mais les gardes, ils perdent pas un PV, hein. Alors, c'est pas des boules de neige, hein, qui lancent, ce sont des sorts. Ah, je sais qu'on est à Noël, mais bon, c'est un peu dépassé maintenant. Les boules de neige. Regarde un petit peu ce dragon. On fait la quête manger la merde alors. Venger la mer, oui, oh, c'est la même chose. bah oui, moi j'y suis, je t'attends, comme d'hab. Non, t'y es pas, hein. Je suis là qu'on les trouve pas partout. Bah Moi je suis déjà dans la ferme, hein, là, je me promène. moi faut que j'entre. Mais Il y a, donc avec cette entrée-là, il y a moyen de passer sur la droite sans aggro Oui, je sais. toute la patte. Oh putain, c'est pas vrai. Ils donnent des coups de boule ceux-là. Oh, c'est rempli de d'alliés. Raté. Bon, allez, je suis là, qui sont en haut. Oh, une grande crête morte. Ah, te voilà. Pouvoir m'être utile.
Donc, ça aussi, ce sont des balors. Il y en a. En fait, ils ressemblent un peu à n'importe quoi. C'est des gros lézards, tout pas beaux et tout méchants. Ça, ce sont les vrais méchants. Parce que. Merde, je l'ai pas vu celui-là. Bon, bah, faut se le faire. Je t'en prie. Comme ça. Ouais. Vous êtes mon arme est légèrement plus petite. Bon, mon nombre d'IPS est repassé en haut à gauche. Ouah! Allez, un tour gratuit, hein. Allez, s'il en fait 5 avant qu'on ait terminé. Voilà. Donc pour expliquer brièvement, pardon. Donc mon ami est un clerc, qui est la classe des soigneurs. Et des moi. Prêtres. Oui. Et moi je suis le templier, donc celui qui se prend tous les dégâts dans la tronche. La classe des guerriers ou le tank, point barre. Ou les no brain. Ah bah là il y en a plein des choulaks, c'est cool. Faut en buter une douzaine pour manger la merde. Ouais mais tu... C'est dangereux ce que tu viens de faire là. Non c'est bon, ça passe. J'attends un peu avant d'attaquer, je suis bien. Ouais, on me heal aussi. Moi j'attaque pas, je heal. Rez ferme de Mephistis. Il y en a qui viennent croquer. Qui? Je sais pas. Mais là il y en a un qui est en train de se faire malmener là. Ouais, ils sont en train de prendre toute la map dans leur dos. Ah, faut les tuer, bien. Ça va. Bah oui, non, faut pas, manquerait plus qu'on doive récupérer des trucs dessus, c'est bon, il y en a marre des quêtes comme ça. Donc, il y a sa sœur qui a bout de vie. Je vais le terminer. Ça, ce sont des choulaks. En fait, il y a à peu près 4 races en fait. Donc, il y a les Élyséens, les Balors, les Asmodiens et les Chougos. Les Chougos. Ah ouais, je les avais oubliés. Les Chougos, c'est tout ce qui est marchand. Bah, en fait, ils aiment que le fric. Ouais, parce qu'ils sont franchement avec tout le monde, hein, eux. Plus neutre que tu meurs. Oh, un esprit ouragan. Classe ça. Donc, ça, c'est une spiritualiste donc qui invoque des esprits. Et l'esprit ouragan, c'est un mélange d'esprit de l'eau et du vent. Yos. Il va, gros. Prends le monsieur qui tire. Bon. Ah là, celui-là. Il y a aussi l'esprit du magma, où là c'est le mélange de l'esprit du feu et de la terre. L'eau, la terre, le feu, l'air. Et le cœur. Tu sors. Je t'aime. Ah là là, cette épique chanson que je déteste. On avance plus loin. Bah y'a rien plus loin. Si, y en a. Ils sont... Ici... Allez. Là y en a. Oh. Bah oui mais bon. Ouais mais mon contrôle ne fonctionne pas. C'est TRL, il va pas. Donc y'a moyen de marquer des lieux sur la carte pour les mettre dans le chat. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai essayé de dire 5-6 fois. Oh, le nom de Légion. Oh. Oh, j'aimerais pas l'avoir celui-là. Ah oui, donc en fait, le monde, ça, Atreya, oui, c'est ça. Donc le dieu s'appelle Ion. Ouais, donc ils sont pas foulés. Normalement, il y a une. Normalement, il y a une tour, qui est la tour d'Ion, mais on peut pas la voir vu qu'on est groupe. Comme ça, c'est plus rapide. Non, le leur pique. Et en fait, normalement, tout se passe à l'intérieur. Parce que les types, ils sont intelligents, ils vivent à l'intérieur du monde. Ils vivent pas à l'extérieur. Bon, voilà. Donc la tour de l'éternité qu'on peut pas trop... Bah, c'est ça, en fait. Bon, là, ça ressemble plutôt à un volcan, mais voilà. C'était... Juste pour les choulas.
Bon, on va les grouper juste le temps de la quête. Ouais, je me mets sur le feu. Donc, en fait, la tour était la représentation physique d'Ayon, trop lolo. Et les Balors étaient jaloux, parce que eux, ils avaient pas eu de super pouvoir et tout. Donc ils ont été jaloux, ils ont voulu renverser le dieu, ils ont pété sa tour, ce qui a fait péter le monde, qui s'est séparé en deux. Oui, parce qu'ils sont magiques. Ils sont très gentils et c'est très cohérent. Donc en fait, le soleil, on va dire qu'il est là-haut. Là. Donc les rayons du soleil peuvent aller que en Élyséa et pas en Asmodée. C'est pour ça que les Élyséens sont beaux et tout. Ils le disent. Non, ils sont très blancs. Non, mais ils le disent. Ils le disent. Tiens, j'étais décalé. Bon. Ils le disent d'ailleurs dans la choix de race. Dans le choix de race, pardon. Ils disent que les Élyséens bénis par le soleil sont beaux et tout. Et que les Asmodiens, comme ils ont pas le soleil, bah c'est des gros paumés. Qui vivent dans des grottes. Ouais. Et 95. Allez, on va dire 80% des maps chez eux, c'est de la neige. Et le reste, c'est du désert. Et nous, on a du désert, un arbre et du désert. Non, on a plein de forêts. De plein forêts. Ouais, vite fait, hein. Le chasseur des forêts dégueulasses alors. Donc c'est pour ça en fait, les Asmodiens ils sont trop jaloux. Ils ont le seum. Moi je vais pas me faire chier avec tout le monde, on fait ça. Et ça passera très bien.